Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc nous retournons sur le site d'extraction de ressources pauvres d'Aganip 6A, il me semble. Hein. Je vois pas trop avec le truc. 6, mais je crois que c'est 6A, oui, bah ça doit être ça. Ah non, même pas, c'est pas Aganip 6A, c'est Aganip 6, tout simplement. Hein. Je suis stupide. Donc. Hop, on va essayer de se faire encore un petit peu de plaques de résistance thermique, je sais plus trop quoi là. De toute façon, on doit pouvoir les voir dans l'inventaire. Plaques de dissipation thermique, alors je vous rappelle qu'il nous en faut 2. Il nous faudrait donc. De mémoire, on en a 21, il nous faudrait 42. Nous sommes à peine à 11. Donc voilà, il y a encore du boulot à faire au niveau farm. Même si vous verrez qu'on n'aura pas besoin. Forcément d'en faire 42 fois de suite, hein. On verra bien le moment venu. Cependant, c'est pour m'assurer en fait de pouvoir monter un peu plus en grade si possible, si on trouve le reste des matériaux, pour pas avoir à refarmer en fait, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, une fois que cette grosse séquence de farm là, en plus ça fait du dogfight, ça fait de l'action. Hein. En tout cas, j'espère que ça ne va pas faire comme les épisodes de Robocraft, vous lassez en tout cas. Hop, allons-y. Comment peut-on se lasser du dogfight? Dites-moi. Dites-le-moi, chers amis. Hop. Déjà des cibles sur la droite. Ce qui peut être intéressant en soi. Hein. Et en quantité, apparemment, en plus. Et en quantité. Oui, regardez par là-bas aussi. Aspect Explorer. Alors, il me semble que les Aspect Explorer, il faudrait que je les... Justement, que je les analyse un petit peu. Ivan, qu'est-ce que tu fais, Ivan? Je n'accepterai pas, Ivan, que tu me scannes. Frozen Powell, il s'appelle Frozen, le pauvre. Ah, il y a un python. Attendez. Dans ma soute, je n'ai rien, du coup, je ne te suis d'aucune utilité, tu n'as donc pas à m'attaquer. Voici le pourquoi du comment. Avec un impérial courrier. Ouh là là. Ça pourrait être du suicide. J'ai rien dit. Pas forcément. Pas forcément. C'est de m'approcher un maximum. Il va se mettre en chasse normalement. Voilà. Ah là là, il bouge beaucoup. Ça ne touchera pas. Ok, on y va. On y va. Il y a beaucoup de boucliers, dis donc. Hop. Viens voir papa. On n'a pas assez de puissance dans l'armement. Allez. Tu as déjà pris beaucoup trop cher, l'ami. Toi, tu es mort. Désolé d'avoir à te le dire. Le python maintenant. Hop. Boum, en plein dedans. Crac, on y va. Touché, je crois. Ok. Il est tout aussi agile que nous, hein. Allez, lâchez pas! Lâchez pas! J'espère que ça va le faire. Oui, ça l'a fait. Ouh là là. Lui non plus, il lâche pas l'affaire. Hein. Pourtant, ses générateurs sont à 5%. Sont à 50%. Et pourtant, il arrive encore. Voilà, à me péter mes boucliers. Joli.
Joli, 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 je connais le truc. Non, pas le suicide. Je ne l'accepterai pas. Oh, c'est générateur, normalement. Son générateur devrait pas être aussi badass. Normalement, il devrait déjà être mort. Comme dirait Isma dans... Il devrait être mort. Comme dirait Isma dans Cusco. Et ce n'est pas le cas. Ok. On a pris cher. On a pris extrêmement cher. Il va falloir qu'on fasse un voyage à Cherryport. Ok. Cependant, ils ont ce que je recherche. Processeur chimique. Oh non. Ils en ont pas. Ils en avaient pas. Quelle horreur. Je vais prendre le processeur chimique. Par principe. Mais lui n'avait rien, quoi. Ah, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. On va tout remettre dans les... Hop, alors il est par là. Ok, on y va. 42, je vais pas avoir le temps de l'avoir. Tous les coups, je vais pas avoir le temps de le prendre. À tous les coups, je vais l'avoir dans le fion. Ok. Allez. Hop. Hop. Essayons de le choper. Ok, allez. Allez, Marcus. Allez Marcus, tu peux le faire. Allez. Je l'entends gratouiller le ventre. Oh non. Voilà, on l'a eu par derrière, allez comprendre. Ok. On a pris extrêmement cher. Est-ce que nos modules ont pris aussi cher? Ça va. Ça va, mais bon, dès qu'on a 1% en moins, c'est catastrophique, alors bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, on a un transporteur. Il y avait un transporteur il y a 2 secondes. Je l'ai perdu. Il y avait un transporteur il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Fish! Blé! Voilà, c'est dit. Cobra MK4. MK3 peut-être? J'ai pas fait attention. Hop. Ah oh, mais vous avez pas un petit transporteur avec quelque chose de bien dedans, quoi. Hop. Ah bon, parce que voilà quoi, un SP Explorer, je crois que j'en ai... Un peu plus, je pense pas en avoir vu dedans. T6, on va sur le T6. Hop les... Vous y avez cru? Vous y avez cru? On va essayer de l'empêcher de s'enfuir en plus loin quand même. En espérant que ce soit efficace. Rusfell. Tu as un Sidewinder, pour moi ce n'est pas quelque chose que je peux me représenter comme une menace. Donc. Allons-y. Salut l'ami. T'aimes que je te vole dans les plumes un petit peu? Hop, voilà, ça c'est fait. Il a pris tellement cher, le pauvre. Ferraille, échangeur de chaleur, câblage de conduction thermique. Ok, bah on l'a encore dans le cul, hein. On l'a encore dans le cul, Lulu.
On va viser l'autre XP Explorer. On verra bien. Advienne que pourra, comme dirait l'autre. Peut-être même se passer comme ça en mode moyen. Hop. Crac. Hop. Et ça te touche. Oui. Hop, il va me faire des dégâts parce que j'étais stupide. J'ai été stupide. Il est juste là en fait. Hop là. Ça fait mal. Est-ce que t'avais ce que je recherche au moins? Donc il a explosé? Oh, il n'y avait rien de ce qui m'intéresse. Rien de ce qui m'intéresse. Bon. On va retourner au niveau du coin, on verra bien. C'est vraiment dommage. Sinon je vais faire 100, hein. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Pas de nouvelle cible ni rien. Bon. Ah. La XP Explorer numéro 2. Ça peut être sympa. Il est par là. Hop. Hop. Un petit coup de boost. Python. Python, python, python. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils sont pas. Qu'il n'est pas tout seul. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul, mais il se fait attaquer donc. Ok. Tu la sens, ma grosse menace? Hop là. Ah, je suis mauvais. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. J'ai loupé tellement de tirs là, c'est pas bon. Hop. Hop. Allez, te crache pas. Te crache pas, Marcus. Hop. Allez, redresse. Essaie de faire le tour du glaçon. Il a pas essayé de faire le tour du glaçon. Je pensais qu'il le ferait. C'est marrant. C'est dommage. C'est dommage. On aurait bien te retrouver en face de moi. Si cela ne te dérange pas, je voudrais pas être le seul à me faire tirer dessus dans l'histoire. Ok, bon bah apparemment j'ai pas le droit de lui tirer dessus. Il est plus agile que moi, c'est un expert pourtant. Hein. Oh. Hey. Hop, merci. Ah oh, putain. Pas possible ça. Hop. Je vais vous la repasser devant moi. Crac, t'es mort. Ouh. Alors, composite à haute densité, nanana. Eh ben non. Putain. Il en avait pas non plus. Bon, je vais finir par me le faire, hein, l'SP Explorer. Ça fait deux fois qu'il esquive, entre guillemets, le combat. Il n'y aura pas de troisième. Russell, tu m'énerves. Russell, t'es inoffensif. T'es un moucheron. Attaque-moi, comme ça mes tourelles vont te finir. Voilà. Tu vois. Hop. Hop.
Tiens, bouffe, ça prendra. Tu me rentres dedans alors que j'ai mes boucliers, t'en as pas. Ça t'apprendra. Faut bien le finir, messieurs, dames, les tourelles. Voilà. Si je pouvais peut-être faire mes boucliers, ce serait cool. Pardon, excusez-moi, les tourelles. J'ai oublié de mettre de l'énergie dedans. Et voilà, il est mort. Ça, c'est parfait. Alors, est-ce que t'avais ce que je recherche? Ah, attendez. Échangeur de chaleur, ça a l'air sympa, ça, pourtant. Je vais balancer le... Je vais en balancer un, hein, parce que je pense que l'échangeur de chaleur, j'en aura besoin à un moment ou à un autre. Hop. Voilà. Allez, va chercher tout ça. Va chercher tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ben on sort plutôt bien avec si peu de PV. On a de la chance jusque là. Hop. Bon, ça serait bien si mon vaisseau évitait de tourner dans le vide. Oh là là, il veut pas. Hein. Hop. Bon. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais le laisser tout récupérer. Et je pense qu'on va se retrouver dans un nouvel épisode. En espérant que ce soit plus rentable la prochaine fois. Parce que là, franchement, ça commence à me faire me poser des questions, si je puis dire. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner vis-à-vis des ingénieurs, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop.